Salut à toutes, salut à tous, c'est Nécro. Oui, non, ah ça commence bien, j'appuie sur L2 alors qu'il fait non. Non, je garde mon argent, merci, hein. Merci à Mancaire, on te fera un petit coucou une prochaine fois. Bien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis dans... Ouais, ça va, je suis en forme, ça va aller. Bref, je suis désolé pour tout le retard accumulé des vidéos. Je vais essayer de rattraper ça et de filmer maintenant le plus souvent possible les épisodes, histoire qu'on revienne à un rythme régulier. Disons que je fais beaucoup plus de live que de vidéos sur YD, enfin YouTube. Donc, j'en suis navré et je vais très vite rattraper ceci. Et cette fois-ci, on a le micro, voilà, bonheur, c'est bon, ça revient, c'est formidable. Bref. Alors ce qu'on devait faire, on devait se diriger vers le QG de Spiritus Corp. Donc on y verra, c'est parti. Spiritus Corp, on y est. Pour continuer la suite du scénario. Ok, c'est parti. We've been expecting you, Mr. Kresnik. Please deliver the item in question directly to the CEO himself. Il est obligé de faire ça pour dire que c'est un endroit très grand. Who are these people? Qui sont ces personnages? Aucune idée. Ça c'est énorme. C'est-à-dire que je vis avec avec certaines personnes, mais je ne sais pas qui sont-ils. Allez pour le LOLs. Oh quoi que non, parce que j'ai envie quand même d'avoir une bonne fin. Ah mais c'est mes amis quand même. Le mec j'adore qui dit « Ah, aucune idée !» Je ne sais vraiment pas qui sont ces personnages. Je traîne avec eux, mais je m'en fous complètement. Non, mes amis. I believe only Mr. Kresnik was invited. We're a package deal. I'm Luger's friend, an advisor. And I'm the acting guardian of these miners. Ah ouais. I'm acting guardian. Oh, ce sourire. And I'm... One moment, please. Eh bah punaise. Quelle équipe de vainqueurs! Acting guardian number two, huh? Look who's talking! J'avoue. C'est bien envoyé. Mr. Bakur is most impressed by the loyalty you engender in others, Mr. Kresnik. Ok. Là c'est bon. Est-ce que je peux pas... Je peux toujours pas changer d'équipe, hein. Rowan et Ellie sont, restés là-bas. C'est chiant. Tant pis. Ah, comment on se retrouve? Why, Luger, I've been waiting for you. Thanks. Any leads on your brother's whereabouts? Well, as it turns out, I have news for you of both varieties. Commence par la nouvelle. La mauvaise. La nouvelle. Which one first? Ah bah. La mauvaise. Tout le temps commencer par la nouvelle. Et après la bonne. Mr. Kresnik's going on the police's most wanted list. Ah. Your life's about to get a lot tougher. So they're gonna throw Luger in jail? Oh merde. Wasn't there good news? Indeed. I would like to recruit you as an agent in our company. Don't act so surprised. It makes perfect sense. I've been keeping my eye on you this whole time. You never back down from difficult situations. More importantly, you have the strength to face them. Mm-hmm. I'd wager you've been doing more than just keeping an eye on. J'avoue. You've been testing Luger. You can't get the true measure of a man by observing from a distance. What do you say? Become one of my agents and I'll keep the police off your back, even if I have to get pushy. He doesn't even have a choice. This is blackmail. Ouais, c'est plus du chantage, j'avoue, et ça ne me plaît pas. Considerable. You'll be killing two birds with one stone. Combien c'est de galles? Avoid arrest and pay off that massive loan almost overnight, provided you show me results, of course. What kind of results? No fractured dimensions. Fractured dimensions? Carrément. Surely you've noticed them. Worlds like ours, but not. Think of this flower as our prime dimension,
a world where history flows in a way that's familiar to us. But it's not the only blossom. Mm-hmm. There are offshoots. When one of these appears, it disperses soul energy from the prime dimension. Our dimension, in other words. Wait, it disperses? That can't be good. And what happens if we don't do anything about it? Ultimately, souls will vanish from the prime dimension. Of course, this means humans will die out as well. Whoa, whoa, time out. This all sounds pretty far-fetched. Olympias going dry. The failure of Spyrite technology. What if I were to tell you those effects were caused by the loss of soul energy from the prime dimension? It can't be true. Oh, but it is. Spirius has been working to save our world by eliminating its counterparts in the fractured dimensions. How could you possibly eliminate an entire world? J'avoue. That is a question for our friend Luger here. His Chromatis transformation has the power we need to infiltrate and destroy these parasitic realities. Ah, c'est lui qui a ce pouvoir-là, d'accord. The power to destroy a world. C'est pas une conversation pour les gamines. C'est normal, tu comprends pas. Ils ont besoin de moi pour sauver le monde. Entendu, c'est à ça que travaillait Julius. Réfléchissons, mettons-nous à la place du personnage. Je ne lui fais pas confiance à Steve. Je ne sais pas pourquoi je sens les embrouilles. Donc moi, je vais plus dire, c'est à ça que travaillait Julius. The best of the best. Julius eliminated more than 100 fractured dimensions. Ouf, ah oui, quand même. We believe it's very likely that former director Kresnik has fled into one such dimension. Find him and you'll kill 3 birds with one stone. Non. Eh merde. Là, c'était scripté en fait. J'aurais pas accepté. You're officially a DODA agent of Spirius. One thing I still don't get. What's causing these fractured dimensions? It's not a what, it's a who. A great spirit of Kanan. Kronos. Quoi? Kronos? Kanan? Another great spirit? There is nothing to fear. We have in our possession the power needed to oppose him. Come to the underground training area, and I will show you how to wield it. Whoa. Très bien. I have to admit, being an agent for the Spirius Corporation is kind of a big deal. But are you sure about this? Ah, une scène bonus. Si je suis sûr de moi, c'est le métier dont j'ai toujours rêvé, pas vraiment. Logiquement, c'est... S'il serre la main comme ça et qu'il accepte, c'est le métier dont il a toujours rêvé. Donc, oui. Your brother was a top agent too, right? I bet that talent just runs in the Kresnik family. What, a talent for destroying worlds? I'm talking about raw talent. Companies appreciate that stuff. Je savais pas qu'il y avait des scènes bonus, tiens. D'accord. Donc il y a des scènes cachées. Il y a des scènes cachées. C'est intéressant. Donc va falloir que je fasse gaffe en fait. Hein. Ok. C'est net. Bisley Bacor certainly lives up to his reputation. He certainly makes an impression. He's like. Bisley Bacor donne l'impression d'être le roi de l'Olympios, le chef d'une sombre organisation. Pour moi, c'est plus le chef d'une sombre organisation, parce que détruire des mondes, quand même, c'est un peu... C'est pas de... Enfin, voilà, c'est un peu glauque, quoi. J'aurais plus ça, moi. I think so too. He's like the villain on Beach Brigade Sunscreen Rangers. Sur l'écran solaire. Who? Well, he's like this evil genius who makes fish paste products from dead fish and uses them to rule the seafood industry. D'accord. But the Sunscreen Rangers will fight him to the death to defend the beach so that they have dead fish to eat. They're fighting to save dead fish from the seafood industry? It was a classic Olympian action series. Palin collected all the toys. I used to
c'est fascinant. And Beasley Bacor resembles that. Well, regardless, he's Luger's boss now. Let's just make sure we're the ones using him and not the other way around. That makes sense. We can't accomplish much without him. But be careful. I don't think that Bacor was lying, but I'm pretty sure he wasn't telling us everything. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Il nous a pas tout dit. Clairement. Clairement, ça se voit, il nous a pas tout dit. Il nous cache des choses et ça me gêne. Know about Luger's power. Not exactly the tailored suits and financial reports sort of CEO, huh? Hop. J'ai eu pistache. Bon bah du coup. Attends, il faut aller où? Rejoignez le centre d'entraînement souterrain de Spiritus. C'est où? Ah, ça va être par là peut-être. Non. Ah bah ça doit être au début alors. Ah merde. Non mais non mais. Niveau 30 peut-être. Hein. Je visite un peu pendant ce temps-là. Code d'urgence du centre de formation. Où je vais me le noter. Je sens que ce code va m'aider. 8, 4, 7, 3. 5, 7, 5, 9. Hop là, je me le note, parce que je sens que ça pourrait m'aider. Non, on se casse. Je vais visiter un peu partout. 20ème. Par là, il y a un truc. Ah, il y a un distributeur, je l'ai pas vu. Bonjour, bonjour, ça bosse bien, ça bosse dur, c'est ça qu'on aime. Quoi? Elle veut toucher le prototype? Je touche ce que je veux, écoute. Hein. C'est bien rangé, quoi. On voit plein de poubelles à côté, c'est génial. Deuxième étage. Par là-bas. Mais j'aime bien visiter un peu partout. Hein. Moi je suis un vrai papillon. Hein. S'il y a ici. Bonjour. Bonjour. Blabla. Vous n'avez pas un petit équipement non? Non. Bon bah go au rez-de-chaussée, écoute. Hein. Alors, rez-de-chaussée. Ça va être par là. De merde. Mais non, mais ça c'est l'ascenseur. Ah mais non, mais là c'est là d'où je viens. C'est là d'où nous... Ah oui. On vient de là. Ouais, le centre d'entraînement souterrain de Spiritus. Oui. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-il? Que puis-je faire pour où? Tu m'amènes au centre souterrain, s'il te plaît. Au niveau 10, alors. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai. Terrain d'entraînement. On va sauvegarder au cas où. Histoire que je n'oublie pas. Save. Voilà. Bien. Go. Cette musique. Oui. Never thought something. Et. Like this would be down here. Must have cost Spiritus a pretty penny. Appuyez sur ça. Oui, activez le mont charge.
Ah, on y est. Il fonctionne sur un saisi de code impossible. Ah. Quoi? What? Et comment je fais? Fous de ma gueule. De fou de ma gueule le jeu. De toute façon j'ai le code. Le problème c'est qu'il faut activer ça. Oui bien. Bon, si jamais je ne trouve pas, je vais me démerder tout seul. Bon, je sens que je vais me démerder tout seul. Petite ellipse. Et je reviens. À dessus. Oh, je suis vraiment fatigué en fait. Il y avait un escalier juste ici. Oh là là, mais quel abruti. Bon, enfin bref, allez, on s'en fout. Go. Alors, tu voulais me parler. Qu'y a-t-il? Steel yourself, agent. I wish we could ease into this, but time is of the essence. You'll have to train the hard way. Actual combat. Combat réel. Très bien, ça m'intéresse. Wow, c'est quoi ça? Don't interfere. Wow, 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 ok. Initiation, oui. Quand la jauge de Chromatus est pleine. Ah, d'accord. Alors, appuyez sur L3, R3. Ouais. Wow! Si la jauge de Chromatus est pleine, vous pouvez vous transmuter à tout moment. C'est-à-dire, même si vous êtes à terre, vous, si vous vacillez... Si vous subissez des coups, en enchaînant avec une attaque X et en appuyant sur rond, vous lancez une puissance d'attaque spécifique de Chromatus. La 11 000 j'ai fait. L'attaque dépendra du niveau atteint par votre combo avec X. Appuyez sur X, rond peut utiliser super tournoiement. Oh merde. Division 0, waouh! Examani! Waouh! Attends, attends, je teste tout! Appuyez sur rond et le joystick gauche dans les différentes directions pour attaquer de différentes choses. Hop, je mets. Division 0 projection son. Une fois transmuté, votre jauge de Chromatus se vide. Eh ben oui, forcément, avec le temps ou à mesure, vous subissez des dégâts. Ah oui, en effet. Ouais. Oh, c'est craqué! Je suis craqué! Ça, c'est un pouvoir très intéressant. Ça va me plaire. Bonus de transmutation. En activant cette capacité, vous recevrez une plus grande quantité de minerais élémentaires à la fin des combats et au cours duquel vous êtes transmuté à l'aide de vos Chromatus. D'accord. C'est bizarre comme transformation, mais pourquoi pas. C'est cheaté. Something's wrong with Luger. That's enough for now. Still no match for Julius, though. So that's a Chromatus. Where'd Luger learn that trick? It's a family trait. He's one of Kresnik's descendants. See his watch? It's a Kresnik heirloom, passed down for generations. It's the key to the transformation. Though it would seem Julius has been using yours all this time. That's not Luger's. It's my daddy's. We're talking about Kresnik, the Genesis Sage, right? The one who wielded the Lance of Will? The Sage Kresnik? Yes, I seem to recall that name from Rize Maxian legend. So the tale is different here in Olympias? If Kresnik wasn't a sage, what was he? A wretched plaything for the spirits. They granted... No, they cursed the Kresnik line with the Chromatus. But Kresnik's curse is humanity's weapon. And you, Luger,
will master it. I will contact you when we detect a new fractured dimension. Okay, j'ai un nouveau until pouvoir then, craqué, ça c'est up. Ça c'est cool. Pendant reposez-vous, ouais. Look, Luger, I really hate to bring this up, but you've been neglecting your loan payments lately. Nobody likes a financial. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est chiante elle. So much for resting up. Laisse mon pognon tranquille. Ah ben voilà, chapitre 6 terminé. Bien. Pour diverses raisons, le géant est désormais un agent de Spirius. Cela ne le dispense toutefois pas d'honorer sa dette. Pourquoi ne pas visiter de nouvelles zones de Rayos Maxia tout en travaillant pour rembourser cette dette? Vous avez appris les capacités suivantes que vous pouvez utiliser une fois transmuté Kresnik Moisson de Vitesse. Ces capacités augmentent la durée de votre transmutation et l'efficacité de l'orbe d'Allium. Alors n'oubliez pas de les activer dans le menu et de les mettre en pratique. Ok. Ah bah putain, c'est quelque chose. C'est vraiment... c'est du lourd. C'est du lourd, du gras, du dodu. J'adore dire ça. Bon, remboursez une partie de votre dette. Je suis à combien? 50 000... Ok, 50 000 gald. Fous de ma gueule. Je le vis bien. Bon, eh ben, on va faire quelques quêtes et puis on va s'arrêter là, écoutez, hein. Je crois que je vais me démerder pour faire... pour arriver aux 50 000. Oh la vache, 50 000. J'ai le temps. Ah, just a moment. I almost forgot to give you your world map. It's standard issue for all DODA agents. I'm sure it will come in handy in your pursuit of Director Kres... Pardon me, the former Director Kresnik. Merci. En appuyant désormais, vous pouvez désormais voir la carte du monde en appuyant sur R3. C'est là que vous sont répertoriés les lieux que vous avez déjà visités. En sélectionnant une destination, vous pouvez vous y rendre instantanément. Génial, non? Oh yes! J'ai la téléportation instantanée! C'est cool ça! C'est bon ça! Alors attends, d'abord. Alors, Elvin, c'est pas contre toi, mais je préfère Alice. Hein. Et Leia. Alvin, bien évidemment. Ah, que je retrouve mon équipe de base. Ok. C'est net. A great spirit that lives in the land of Kanan. We gotta find this Kronos guy and ask him where Kanan is. You're really obsessed with that place, aren't you? What's wrong with that? I've got a one-track mind. You do? Monomaniaque, tu sais au moins ce que ça veut dire? C'est sûrement vrai en un sens. J'ai envie de dire à la fille... arrête, est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire à ton âge? I know it means something good. Daddy used to say that mommy had a one-track mind too. He says I take after her. Must have made for quite a marriage. J'avoue. Did you say something? No, not at all. Just that I envy your old man. Right? And you sure love your daddy. I don't love him that much. But he really seems to like me. So, I've got to keep the promise I made to him. No matter what. Très bien. Bon. Alors attends, apparemment on nous dit d'aller à Duval. Vas-y, va là. C'est cool ça, le voyage instantané. Et en plus, c'est gratuit. C'est ça qui est bon. Ah oui, il y a un truc. Il y a un événement. Ça va m'intéresser. Est-ce qu'il y a des nouveaux contrats? Oh oui. Oh oui. Ouh, il y a plein de trucs. Je vais faire ça. Je le ferai... Allez, je vais vous épargner ça. Je le ferai tout seul dans mon coin. Je me taperai des monstres et j'augmenterai mon XP. Ce qu'on va faire avant toute chose, c'est qu'on va faire les annexes. C'est l'annexe de qui? C'est Alvin. Oui! Alvin chapitre 1, Alvin le marchand. Bien. Got some time to kill? Why?
He's about to ask a favor, and it's not gonna be pretty. Comme d'habitude. Those reporters' instincts of yours are right on the money. Now he's just kissing up. This favor must be a doozy. I'm about to go to work, is all. Mind lending a hand? You'd never guess from looking at him, but Alvin's actually a fruit merchant. He buys his stuff fresh from Risa Maxia and wholesales it to grocers in Olympias. We just got started, so we're still in the early stages of making connections and nabbing clients. Mm-hmm. I could use some help. Alvin a besoin de mon aide. Pas de problème, tu peux compter sur nous. Ça n'a pas l'air très intéressant. C'est vrai qu'on se fait chier, ça n'a pas l'air très intéressant, mais bon, allez. Je suis sympa, je vais t'aider. You're a real sport. Thanks. Just pretend you're shoppers passing by and follow my lead, okay? This sounds like a racket. Great. I'll go work my magic. Je crains le pire. Remember, we don't know each other. What are we getting into? Je ne sais pas, je ne préfère pas savoir. Thanks for being such a good sport about all this, Luker. Ha. Nos sous ça et Leia. Voilà, votre affinité avec Alvin a augmenté. C'est surtout ça que je cherchais. Bien. Alors on va continuer encore un peu et on va s'arrêter là. Ça, je vous fais un épisode un peu plus long. Sure, your customers might say they're fine with your fruit, but wouldn't you sell more if it was fresher and tastier? I doubt they'd even know the difference. Ah oui, quel vendeur, effectivement. Sir, ma'am, care to try some samples? What do you think? Notice a difference between them? Hmm. The one on the right's nice and sweet. The one on the left, not so much. Hmm. You think so, huh? What about you, sir? Which do you prefer? Je préfère celui de gauche. J'aime bien celui de droite, moi aussi. Ah non, mais moi je suis tout le temps d'accord avec Leia. Je suis un vrai mouton. Voilà. Interesting. What I tell you. Okay, you sold me. I'll start stocking your porringes on a trial basis. D'accord. Hey, businessman. Hey, get away from me. A fight? I know that voice. We should go too. D'accord, alors il suffit qu'il y ait deux personnes qui disent « Ah putain, c'est finalement le plat de droite, il est pas mal !» Bon ben ok, je t'achète tes fruits, très bien. C'est ça le commerce quoi, bien évidemment. Ça marche comme ça, hein, dans la vraie vie. Aïe aïe aïe. I'm telling you, I'm just here on business. I'm not causing any trouble, alright? That's for us to decide, bub. Don't you Risa Maxians understand the concept of boundaries? That's why I'm here. I've come to negotiate a partnership with Skylark Exchange. Whatever. Hey, Man in Black, là, vous allez vous calmer? You okay? Hey. Alvin! Please, let me talk to Mr. Arthas at Skylark Exchange. Weren't we clear? Careful, it's a crowded street. Oh, on va les déglinguer. Ouh, me faites pas chier. The Skylark Exchange. The Risa Maxian and his friends, though, that's a different story. Aha! Huh? Oh non! Oh non! Oh non! Bloodbath on public streets? Prepare for judgment from an elite junior agent of the Spurious Corporation. Oh là là. Oh, you guys. Why am I not surprised? Hey, we haven't done anything. Enough of your lies. Ah, on va le affronter. Cool, on va te refoutre une raclée, tu vas apprécier, mec. Ivar, combien t'as... Normal, 58 000. Bah oui, de base. Hein. La base. Bon. Alors, déjà... Oh, yeah. All right.
J'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû faire ça. Il y a beaucoup de PV hein, cet enfoiré. Personne. 39 millions en attendant. Wow. Bien. Transformation. Bouf. C'est craqué. Ouais, il a perdu la... là, il a perdu. Là, il a pas aimé. Je suis pas si fort que ça, le Skyvar. Combien? 16 000. Ça doit descendre. Aïe. Il enchaîne les attaques. Ça ne plaît pas. Aouh. Là, on est stun. Rétablissement, vite. Et on y repart. Ça c'est craqué. Ça, ce pouvoir, c'est archi craqué. Regarde ça. Allez, hop là, division 0. Hop, j'ai pas fini. Et tu meurs. C'est moi qui meurs. Stop, utiliser des objets. Il y a plus de PV. Utilise la fiole de résurrection. Tout de suite. Utilise la fiole de résurrection. Merci. Pour que j'ai les... Ok. Il me faut l'expérience. C'est bon, il est mort. Et tout le monde a gagné en deux. Ouh, 7500 gal, bim. Et plus 65 de bonus en expérience. C'est calé. Ah oui, là ça nous donne toutes les attaques. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire Apocalyptica. C'est 4 fois X, enfin 4 fois croix plus rond. 5 fois croix double valse. 3 fois croix, ok, d'accord, très bien. J'essaierai de m'en souvenir. Bien. Ça c'est fait. Et on a battu encore Ivar. Donc même si t'as 55 000 PV, je te la mets encore. Ivar, maybe you should mosey off. Exactement. Hello officer, I'd like to report a nutcase swinging swords at people. Yeah, he keeps saying he's an agent or something. See? This is what happens when you make a scene. I sure hope you've learned your lesson now. What a weirdo. Some people just never change. J'avoue. At least you're safe. You gotta be sure to watch yourself around here. Yeah. What is this? So, you all know each other? No, we're just getting acquainted. Right then. Sorry for you, but the deal's off. Hey, hop. Oh, I'm sorry. You had him hooked, too. No biggie. Plenty more potential customers where he came from. Did you blow another deal? Huh? Oh, that was nothing. Don't worry about it. You sure? You've lied through your teeth so much that it makes me wonder if you're ever telling the truth. Ah, j'avoue. Anyhow, il marque un point. Catch you later. Sure. He didn't really mean that.
Maybe he's right. Il a raison. Que dois-je dire ? Ça ne t'embêterait pas à ce point si tu n'étais pas un homme intègre. Je n'arrive pas à croire que tu te laisses perturber par ce genre de réflexion. Je dirais ça ne t'embêterait pas à ce point si tu n'étais pas un homme intègre, oui. Ça me semble le plus logique. Integrity ? Me ? He's right. You wouldn't care what he thinks if the job wasn't important to you. Exactement. Come on, I wouldn't go that far. But I just don't want any more relationships based on lies. Yeah, let's not do that again. Well, so much for the job. Didn't exactly work out, but thanks. Bien, et ben voilà. Alvin, chapitre 1 terminé. Et ben voilà, c'est cool. You know, I'm starting to like your style. You're pretty tough for a kid your age. Here, this is a gift from your mentor. A little token of how close we've become. I expect you'll treasure it. Variation de couleur Alvin. D'accord. C'est cool, on va pouvoir peindre Alvin. Ouais. Bon, et bah du coup, on va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. On a fait un bon épisode, voilà, ça a été un peu plus long que prévu. Mais au moins il y a eu du contenu, bien. Et bah la prochaine fois, vous me dites si vous voulez qu'on fasse les quêtes annexes pour arriver donc aux 50 000 galdes. Je vais faire... Non, casse-toi. Je vais vous montrer ça. Non mais à un moment, tu vas... Voilà, hein, tu vas te taire. Voilà. Ah, j'ai des nouveaux monstres élites. Ah, j'en ai 3. Alors, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse des monstres élites pour la prochaine fois? Ou qu'on fasse des contrats aussi? Ou alors les contrats, je me les fais moi-même. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de montrer les monstres élites. Et le reste, ces contrats-là, je les ferai moi-même. Vous me direz ce que vous voulez. Sur ce, on s'arrête là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très vite, moi, sur nos aventures sur la chaîne KCG. Sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.